Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Stockomanie pour une nouvelle vidéo d'arrivage. On est du côté de Vandenheim. Alors qu'est-ce qu'on a en arrivage? On a des miroirs ronds en métal, 50 cm de diamètre. Ils sont à 9 euros. J'ai que du noir. Non. J'ai du doré aussi. On a encore ce genre de cadre. Il y en avait déjà un avec un visage. Là, on est sur quelque chose, on a plus une coiffe. Ça coûte 10 euros, ça doit être du 40 par 50 pour la dimension, c'est pas bien précisé. Alors je sais pas si... Non, ça doit être un cadre déco, hein. J'allais dire, c'est peut-être que c'est fait pour les bijoux, je pense pas. Mini guirlande, boule, toute petite boule LED. Alors ça fonctionne à l'aide de piles, on a 16 boules. Ça coûte 4 euros, moi j'ai que du rose, peut-être que vous en trouverez dans d'autres couleurs chez vous. Et à côté, nous avons des vases à 3,30 euros. Petite boîte mouchoir, décor arche, ça coûte 7 euros. Donc couleur bois et noir. Vous voyez, ils ont déjà commencé à mettre le jardin. Il faudra qu'on s'y penche, hein, sur ces thèmes-là qui ont l'air vraiment incroyables d'un magasin à un autre. Allez, qu'est-ce qu'on a par ici? On a une petite lampe LED. Alors, elle coûte 6 euros. J'arrive pas à bien comprendre c'est quoi cette petite cage sur le dessus. 6 euros. Et alors, le pêle-mêle globe, il est à 10 euros celui-là. C'est un pêle-mêle à poser, je vais faire très attention. Ah, on peut, c'est pour mettre ses photos de voyage. Je sais pas, il y a écrit voyage. 10 euros pour 3 photos. Écoutez, on a ces petites branches aussi, pour lesquelles je n'ai pas de prix. Dommage. Ils en ont ressorti aussi chez Action, pour pas les citer. Mais pareil, il n'y avait pas le prix ce matin, c'est pour ça que je vous les ai même pas montrés. Allez, on peut faire un petit tour par ici. On a un lion avec sa couronne. Il est rigolo. Alors, la petite plante, elle est à 2,80 euros. Et alors, le lion couronné est à 20 euros. Du coup, je vais le poser là. Donc, je vais faire gaffe, moi, parce que j'ai... Ah non, je me demandais ce que c'était. Ce sont des poufs. C'est le lot de deux, je crois. Ah, c'est des tables cordes. Les deux à 40 euros. Et en fait, pour les ranger, ben, ça donne ça. C'est pas mal. 40 euros les deux, ça fait 20 euros l'unité. Et à côté, on a ces petites choses, des réhausseurs, je sais pas comment on appelle ça. Ça coûte 4 euros, ça. Les maxi-vases, là, ils sont immenses, ils sont à 50 euros. Et ils doivent faire au moins 60 faciles de hauteur. Ouais, c'est très sympa ce qu'on a là cette semaine. On a aussi des toiles ici à 8 euros. Et on a une jolie horloge ici à 13 euros. Regardez de plus près les chiffres. Je pense que c'est tout transparent. Donc si vous avez un mur coloré, ça va ressortir. Et alors, c'est 40 de diamètre. Ouais, chouette. Hein, les tapis, ils sont toujours dispo à 10 euros. Ceux-là, ça fait un moment qu'on les a. Mais si jamais vous les avez loupés, c'est du 90 par 140. Et on a toujours ces petites tables d'appoint avec le plateau amovible qui sont vendues comme ça en carton à 13 euros. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Hein, c'est juste un rappel. Alors là, ils ont carrément sorti des lits. Oh là là, lit en rotin, 200 euros au lieu de 260 euros. C'est un... Par contre, la dimension, elle est là, c'est 1,70 m par 2,12 m. Donc je pense que c'est pour un matelas de 1,60 m par 2 m. Il est superbe. En plus, il n'est pas cher. Hein. 200 euros. Et alors, il y a deux colis. Faites juste gaffe, il y a deux colis. Voilà. Il est vraiment sympa. Les chaisons de jardin, elles sont à 25 euros. On reviendra faire un thème spécial, là, c'est juste comme c'est le démarrage, on y va tout doucement. Hein. 25 euros la chaise. Ces petites mignonneries, ce sont des pics à 3 euros. Trop joli. Ce que vous voyez là, ce sont des bacs de compostage à 35 euros. C'est 300 litres de contenance. Après, maintenant, je crois que dans la plupart des communes en France, vous avez le petit bac de la mairie, non? Je sais, comme ça, en Alsace, c'est comme ça, mais je sais pas si c'est partout en France, mais je crois que ça démarre même en Bretagne et tout. Ici, on a de jolies lanternes pour le jardin solaire, hein, sur pied, elles sont à 18 euros. En fil, comme ça, un peu comme les fauteuils Acapulco. Et alors, le prix, ben non, je vous l'ai donné, c'était la taille que je voulais, mais on l'aura pas, la taille. On a celles-ci à 6 euros, qui sont ultra flashy. À 2 euros, vous avez les pics, hein, pour mettre dans les allées. Et vous pouvez prendre aussi des lots de 7 à 8 euros. Et ça, c'est pour suspendre. Ça coûte 8 euros. Et je crois que ça se recharge aussi grâce à l'énergie solaire. Absolument, ma petite dame. Et voilà.
Pour l'ambiance guinguette, malheureusement, on ne voit pas bien la lumière. C'est 8 euros les 10 boules. C'est solaire aussi. Et vous les avez aussi en transparent au même prix. Ah, ils ont des trucs chouettes. Hein. On reviendra faire une spéciale. On a des tortues à 4 euros. Et après, en dessous, à 2 euros, vous avez des choses plus petites. Le petit piaf, la tortue, l'escargot et même la pomme. On a une autre lanterne solaire en plastique, aspect rotin. Alors, elle existe aussi en jaune. Elle est à 7 euros. Et alors, pour celles et ceux qui font le potager, tous les petits sachets que vous voyez au-dessus, que ce soit fleurs ou légumes, c'est 1 euro. Donc là, pour les légumes, on a tout, hein, du chou rouge, du potiron, laitue, endive, courge spaghetti, butternut. Et après, en dessous, là, c'est les pois, les haricots, les choses comme ça. C'est 2,50 euros la boîte. On a 125 grammes. Allez, je continue. On va aller voir un peu salle de bain, cuisine. On a toujours ces poubelles, là, à 40 euros. C'est des poubelles de 42 litres avec, vous savez, le capteur en haut pour qu'elles s'ouvrent toutes seules. On est à la salle de bain, on a des jolis tapis de bain comme ça à mémoire de forme. 80 cm par 50 à 8 euros. Et alors là, on a des jolies brosses à 5 euros. Céramique, j'aime beaucoup, ça c'est joli. Hein. Très sympa. 5 euros pièce. Brosse blanche, ça m'arrange pas. J'ai pris l'habitude des brosses noires. Je sais pas. Bon, vous savez, des fois, on fait des fixettes. Et plus je prends de l'âge, et plus je fais des fixettes sur des trucs. C'est terrible. On a des jolis sets pelles et balayettes en bambou. Regardez la brosse, comme elle est stylée. Elle est belle, hein. Ça coûte 4 euros. La pelle est toute en plastique. Et par ici, si vous aimez les panières à linge en plastique, elles sont à 10 euros, celles-ci. Donc, on repart bien avec le couvercle. C'est du plastique recyclé. Alors, je me demandais ce que c'était, et en fait, c'est du fil épais pour crocher. C'est rangé à la salle de bain. Et ça coûte 1,50 euros. Vous avez entre 90 et 100 grammes. Si vous voulez refaire aussi vos petits stocks avec chiffon microfibre, plus le vaporisateur en 70 centilitres. Ça coûte 3... Combien ça coûte, ça? 3 euros? Non, je suis pas sûre. C'est pas étiqueté, alors là, je vais peut-être pas vous dire de bêtises. Il est gradué en plus, c'est pas mal. Et sinon, vous avez juste les chiffons à 3 euros le lot. Et il y en a combien là-dedans? C'est du 230 grammes. Il y a 3 pièces, mais c'est des grands, je crois. Ouais, ils ont l'air super grands, hein. C'est pas la taille standard. Hein. C'est 3 euros, ça. Il y a également ceux-là à 2 euros, avec aspect carreau de ciment. Il n'y en a qu'un seul, hein, 40 par 40. Vous en avez des trois. Alors, les trois là en dépoussiérant, c'est pas le même prix. Ils sont à 1 euro seulement, ceux-là, les trois. Après, vous. Ah oui, vous avez toute une gamme, regardez. On a ça. Pelle balayette, c'est 2 euros. Ça va le prix, je trouve. Et celui-là, il va là. Et vous avez les tapis vaisselle ultra absorbants à 2 euros en 45 par 35. On a aussi la recharge pour balai microfibre. C'est 2 euros ça. Et enfin, on a le lot d'éponge à 2 euros les 3. Donc là, si vous aimez le carreau de ciment, c'est le moment. On peut finir à la cuisine, on va voir ce qui se passe ici. On a des pinces à 2,60 euros. Le lot de pinces, là, vous avez deux tailles. Il y en a 25. Et vous avez ça aussi à 1,30 euros les 6. Alors les pots cuisine, c'est pas nouveau. Les pots à ustensiles, ils sont à 3 euros. Tous les ustensiles, ils sont à 1 euro pièce. Ce sont des ustensiles en plastique, tout en plastique, y compris le manche. Donc 1 euro pièce. On a des louches aussi, ça va, il a l'air, ça a l'air d'être de bonne qualité. Si vous préférez l'inox, on est à 1,60 euro l'unité. On a un joli plateau pour le matin, donc brunch, petit-déj. À 8 euros. Et après, à 4 euros, on peut trouver des petites choses comme ça, des couteaux. On a aussi l'ensemble couteau économe. C'est de la bonne came, hein. Souvent ici, c'est de la bonne qualité, je trouve. J'ai déjà acheté des ustensiles, ça tient dans le temps. C'est pas mal. Les ciseaux multi-usages. Alors, celui-là, il fait casse-noix, il fait quoi d'autre? On peut faire écaille poisson, éplucheur, décapsuleur. Enfin, c'est vraiment l'outil à tout faire. Il est à 5 euros. Je vais retourner à l'entrée du magasin parce que j'ai complètement switché là.
zone arrivage, moi je suis dans mes étoiles. Avant ça, on a cette jolie parure qui est en arrivage à 30 euros. Donc c'est de la microfibre, hein, finition, bouton pression. Regardez comme elle est sympa. Housse de couette 260 par 240 avec 2 têtes d'oreiller en 63 par 63. Les voilages, comme d'hab, c'est un bon parti ici. On est à 7 euros le voilage. Vous avez différents effets comme ça, un peu froissés. Vous avez avec le ruban de satin ici. 1m35 par 2m50, on a du voilage simple. Celui-là, il est un peu plus cher, il est à 9 euros parce qu'on a des petites dorures en plus. Alors, dans la zone arrivage, on a un aspirateur balai. Il est à 40 euros celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire aspirateur main et aspirateur balai. Alors, il est avec fil. Je précise tout de suite, il a fil, 600 watts. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'on ne tombe pas en rade. De batterie, ça c'est un vrai avantage. Vous avez quatre accessoires inclus, hein, les petits suceurs, etc. Et on a celui-là en Techwood, ça c'est un sans fil à 50 euros au lieu de 60 euros. Donc aspirateur balai rechargeable, un peu comme le Dyson, hein, pour pas les citer. Et là-bas on a un stand, vous allez adorer nos pépites du moment, j'ai hâte de découvrir ça. C'est pour les animaux. Alors on a des jouets comme ça pour les chiens, je pense, hein. Ouais, à 3 euros le lot de 3. Ça ce sont des pinces à ongles, ça c'est 2 euros, et on a à côté à 1 euro des jouets comme ça, donc ça c'est toujours pour les petits chiens. Les maxi coussins là, ils font 70 par 90, ils sont à 16 euros. Et on en a d'autres ici, plus petits d'ailleurs, à 11 euros, ils font 53 cm de diamètre. L'extérieur est comme ça en microfibre et on a différentes couleurs. Après, on peut trouver aussi des petits griffoirs à 6 euros, 53 de longueur. Là, on a des gamelles pour chiens, je ne sais pas pourquoi ils ont des spirales à l'intérieur. Ça coûte 2,60 euros. Ces biscuits là, il y a les mêmes pour chats. C'est bio, made in France, franchement, compo nickel, sans céréales. Propre quoi. 2 euros le sachet, j'ai acheté ça pour mon chat, bah genre c'est trop. Trop healthy pour lui, quoi. Trop diététique. Il s'est dit non, mais j'en veux pas de ton truc. Et il les a pas mangés. Bah voilà, c'est ça que j'ai acheté. Après, c'est vrai que quand on regarde dans le détail, c'est thé vert, curcuma, zeste d'orange, clou de girofle. Donc bref, lui, il est plutôt habitué à bouffer des trucs pas très sains. C'est 2 euros, mais bon, moi, je trouvais que le principe était sympa. On a ici à 2,90 euros des petites lamelles de bœuf. Donc ça, c'est pour les chiens, hein, vous l'aurez compris. Si on cherche de la conserve, c'est 1 euro. En pédigré. Et après, vous avez pour les chats de l'aliment bio de chez Ultima à 6 euros les 500, les 400 grammes. On est à 15 euros le kilo. C'est cher. Ouais, c'est super cher. Mais c'est vrai que c'est plus cher hein, quand on veut donner des trucs bien. C'est un choix, hein, mais je critique pas ceux qui le font pas parce qu'en vrai, on n'a pas tous les mêmes moyens. Donc, je suis pas là pour donner des leçons de toute façon. Hein. Et les méga box comme ça de petites sucreries, là, c'est 8 euros. Vous en avez 24 pour les petits chiens. Je crois qu'on a fait le tour, les jolies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de venir ici avec vous aujourd'hui. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve plus tard, hein, ou je ne sais pas encore. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye, les jolies.